Auteur d'un doublé avant la trêve et donc de ses premiers buts avec Auxerre, Gaëtan Charbonnier a largement contribué au succès 4-1 de l'AJA en Lorraine. Lors de cette 7e journée, sur sa lancée, Charbonnier signe un triplé face à Niort. 3 buts consécutifs aux 16e, 70e et 87e minutes. L'étendue de la palette de l'attaquant, bien aidé par son compère et complice Gauthier 1, auteur de 2 passes décisives. Toutes les qualités de Gaëtan Charbonnier ont mis à mal l'équipe niortaise. Le placement, le déplacement, le sens du but. Et donc l'attaquant de 32 ans formé au Paris Saint-Germain retrouve une seconde jeunesse en même temps qu'il retrouve Jean-Marc Furlan avec qui il avait connu son meilleur exercice en 2018-2019 en marquant à 27 reprises en Ligue 2 BKT avec le Stade Brestois. Si Auxerre a actuellement la meilleure attaque du championnat, la présence de son nouvel avant-centre expérimenté y est pour beaucoup. Avec 5 buts au compteur, dont doublé plus triplé lors des 2 dernières journées, Gaëtan Charbonnier est en tête du classement des buteurs de Ligue 2 BKT.